Bonjour à tous les Sochers, nous voici aujourd'hui pour un retour un petit peu particulier dans le cadre d'Halloween. On reçoit donc Gronemo qui est donc un blogueur. Bonjour. Bonjour à toi et puis bonjour à tous. Donc aujourd'hui il va nous faire un retour sur son expérience Soch, mais tout d'abord tu vas te présenter, nous dire ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as comme téléphone, etc. etc. À toi donc. Et donc, alors moi c'est Gronemo, donc je suis blogueur depuis bientôt 4 ans, ça fera 4 ans dans un mois, dans le domaine vidéoludique, donc jeux vidéo et aussi high-tech, un peu, enfin high-tech, tout ce qui touche aux nouvelles technologies en fait. Je suis étudiant, donc je suis chez Soch depuis maintenant 4 mois, un peu plus de 4 mois. Donc avant j'étais chez Bouygues Télécom, c'était une catastrophe, enfin, de toute façon je les ai tous fait, c'est faire Bouygues Télécom, etc. Là pour le moment tout va bien, on en parlera plus tout à l'heure d'ailleurs. Sinon, j'aime pas grand-chose, on me l'a dit souvent, mais dans le jeu vidéo, j'ai particulièrement des jeux favoris comme Little Big Planet, etc. Et sinon, je joue plus sur console que PC. Voilà, bon, voilà globalement. Pour les besoins de la vidéo, on est sur PC parce que j'ai pas de quoi enregistrer sur console et je suis anti-console, lalalal. Voilà, donc là, on est sur Left 4 Dead 2, donc c'est un jeu qui est pas tout récent mais qui vieillit très très bien. Comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai peut-être oublié de préciser le téléphone que j'avais actuellement. Oui. Et donc actuellement j'ai un Xperia Z1. Ok, donc pas un petit téléphone. T'as quoi comme offre d'ailleurs chez Soch tout de suite? Celle à 19,90. D'accord. Je vais peut-être passer bientôt sur la 25, mais comme je suis à la campagne, c'est vrai qu'on capte pas la H+ partout, donc faut pas trop l'intérêt. Si tu passes sur la 25, t'as les deux mois au prix de la 20, quoi. Ah, je savais pas, toi. Donc on en commence, c'est plus difficile pour moi. Donc on est en facile parce que du coup c'est pas facile de poser les questions, interviewer en même temps allumer du zombie. Hein, voilà. Bah, comme tu le sais sans doute, la force de Soch, ça réside dans la communauté dont tu fais partie maintenant. Je vois que tu participes pas mal sur Twitter. Et donc essentiellement centralisé sur Soch, mais c'est aussi sur les réseaux sociaux. Et donc nous, du côté de Sochers, on aime bien dire que effectivement, on fait partie activement de la communauté. Et du coup, nous on répond pas mal aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on essaye d'aider les gens qui ont des petits soucis. Ah, oui, okay. Alors ça c'est un spécial, voilà, ok. Je me suis coupé. Voilà, on fait un retour, donc on a l'habitude de demander aux gens, mais c'est pas forcément des blogueurs, des gens entre guillemets influents, ça peut tout à fait être aussi des gens complètement inconnus, et c'est ce qui nous plaît, à montrer que Soch, ça touche tout le monde. Donc tu t'es déjà présenté tout ça, qu'est-ce qui te plaît chez Soch, qu'est-ce qui te plaisait chez ton ancien opérateur que tu ne retrouves pas, enfin voilà, petit comparatif entre ce que tu avais avant. Que tu as fait même avant Bouygues, hein, peu importe. Hein, Avant chez Bouygues Télécom, tout simplement le fait que ça fait 4 ans que j'étais chez eux, mais avant chez moi, je captais pas vraiment Orange et SFR depuis le dernier déménagement. Du coup, il y avait que Bouygues et là, j'avais de la 3G chez moi. Bon, peu utile parce que bon, du coup, j'ai la box et je suis plus souvent en Wi-Fi, mais j'avais de la 3G. C'est le seul avantage qu'il y avait chez moi, mais j'avais de la 3G nulle part ailleurs. Hein. Je suis en train de faire des fausses. Un débit minable. Alors attends, j'arrive. C'est pas facile. Un débit minable chez Bouygues Télécom. Et du coup, là maintenant, je voulais un débit un peu meilleur quand même parce que les smartphones se démocratisent, etc. Donc bon. Ouais, et puis la technologie qui va avec aussi. Quoi. Voilà, exactement. Et du coup, bon, bah, je me suis dit, allez, on va aller voir chez Soch ce qu'ils ont à nous proposer, quoi, en gros. Et puis, je me suis dit, de toute façon, c'est sans engagement pour une fois, justement. Enfin, et puis. De toute façon, c'était soit ça, soit Jomobile, et Jomobile, vu les retours, non merci. Et après, c'était BNU, et je connais des gens qui sont chez BNU, et bon, après, voilà, chez moi, c'est pas facile, voilà. Sachant que si t'as déjà testé un, l'autre, et que c'est pas bon, enfin, tu trouves ça pas bon, oui, voilà, c'est vite fait, t'as fait le tour, quoi, il y a trois réseaux. Oui, voilà. Et puis, alors, il y a Free, mais bon, on va pas rire. Pour l'instant, c'est pas un réseau. Hein. Free, c'est, oui, moi, c'est un MVNO, c'est un sous-opérateur. Pour l'instant, on peut pas vraiment dire que c'est un réseau. Quoi. Est-ce qu'il y a des options qui te plaisent ou est-ce qu'il y a une façon de fonctionner qui te plaît? Raconte-nous un petit peu comment tu as souscrit. J'ai vu sur ton blog, tu as fait un petit billet que tu as eu quelques problèmes au départ. Parle-nous-en.
Alors oui, donc au départ, j'ai donc chez Bouygues Télécom, mon forfait était arrivé à sa date de fin, donc j'étais plus engagé. Il se trouve donc que j'ai pris un abonnement chez Sage, qui m'a un petit peu dérouté au départ, bon bien que c'est pas très grave, hein. Mais c'est au niveau administratif, parce qu'il faut renvoyer des papiers. Et Ouais, je c'est trouve ça un un petit peu gros dommage pour retour un que les opérateur. gens, c'est Voilà, vraiment pour un quelque chose opérateur qui revient souvent, connecté. ça. Alors que chez les concurrents, donc BNU principalement, je sais que tout se fait en ligne. C'est vrai que c'est dommage quand même. Mais bon, après, je peux le comprendre parce que c'est aussi des problèmes au niveau de sécurité, d'après ce que j'ai compris. Donc, la problème Ouais, avec j'ai téléphone, vu que tu etc. posais la question comment font les autres. Bah, les autres, ils contournent un petit peu la loi. Je prends l'exemple de la portabilité parce que c'est quelque chose. J'ai souvent des. Enfin, je pose souvent la question au staff. Comment ça se fait que la portabilité chez les opérateurs en ligne, puisque c'est de la vente à distance, encore un jockey, par exemple chez Joe, chez B&You, comment ça se fait que c'est 3 jours et chez Sosh ou Orange, c'est 10 jours? Bah, tout simplement parce qu'ils contournent la loi justement en te faisant signer un accord comme quoi tu voulais raccourcir le truc, quoi. Ouais, mais justement, moi j'avais eu des soucis avec ma portabilité chez Bouygues et je me suis légèrement fait allumer au service client par un mec qui m'a téléphoné limite en m'insultant parce que j'avais pas prévenu le service client que je faisais une portabilité. Or, moi j'en ai pas besoin, Déjà, techniquement. voilà, ils en ont rien à foutre, quoi. Et oui, on nous a pas prévenu et du coup mon numéro est resté activé chez Bouygues et Orange Et comment ça se passait? pendant. Tu pouvais appeler et recevoir. Ben justement encore, enfin je pouvais appeler et recevoir des deux, sauf qu'à un moment ça me posait souci parce que j'ai des appels qui coupaient, etc. Et c'était vraiment particulier, je recevais pas toujours les messages et les MMS notamment. Et du coup je sais pas trop comment ça s'est passé ensuite, puisque j'ai eu les deux, j'ai moi aussi du coup crié un petit peu sur le chargé de clientèle de Bouygues Télécom. Du coup, bah finalement j'ai raccroché au nez et après, 2-3 jours plus tard, tout Ah, s'est l'hôpital très vient de faire. gentiment réglé. Ah, GG. C'est très gentiment réglé, donc bon. Voilà. Mais Et t'as eu affaire ouais. au chat, etc., j'ai vu? Oui, j'ai eu affaire au chat live, donc très bon. De toute façon, j'ai Ouais. toujours fait appel via le chat au Bah, service parce que client. moi, personnellement, le chat, C'est long, je trouve que c'est ça long se par contre. dégrade. Franchement, je trouve vraiment que ça se dégrade. C'était pas mal avant. Maintenant, c'est vraiment. On te dit, on lit une fiche, quoi. C'est l'impression que j'ai. Après, c'est peut-être dû Ouais. au succès de la chose, hein. C'est vrai que le temps d'attente par contre est un petit peu long, mais très franchement, du coup, j'ai pas eu des questions non plus très difficiles. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu des gros problèmes, des gros soucis qui. Enfin, Ouais, voilà, après, il y je veux avait dire, enfin, le ça a été souci assez de simple. hors forfait, c'est ça, non? Voilà, j'ai eu un souci, Un un, deux, souci. trois, voilà, de hors forfait, c'est vrai. Mais du coup, bon, ça m'a pas. Je veux dire, ils ont été compréhensibles aussi, ils m'ont dit que ça arrivait assez régulièrement Ouais, et du c'est coup, bon. le conso qui déconne un peu. Voilà, c'est ça, mais bon. D'ailleurs, la conso, ça m'énerve que le suivi ne soit pas mis à jour en temps réel, puisque c'était le cas chez Will. Et c'est vrai que ça me perturbe un petit peu. Bah, Et dis-toi que c'est pareil chez Orange, hein. ouais, Il n'y a je que sais sur les justement, c'est vrai forfaits que ça bloqués, c'est du temps réel. Mais voilà, c'est globalement ce qui ressort, c'est que Sosh a envie d'être Sosh, mais le problème c'est que c'est Orange. Voilà, allez. il y a tous les process, ben, la souscription en ligne, t'as le jockey, il m'aime bien aujourd'hui. La souscription en ligne, etc., les papiers, c'est tout Orange qui fait ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix, ils sont ligotés, si tu veux. Franchement, c'est dommage, hein, parce que s'ils se détachent un petit peu de ça, c'est vrai que pour moi, enfin, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. Le réseau est très bon, le service client pour ce que j'en ai vu est très bon, la communauté est plutôt bonne, bien Ouais, que pour je moi, il y a un pense que souci au c'est niveau la seule. des. Je pense que c'est la seule en fait, hein. La communauté, t'en as pas d'autres, hein. J'ai beau Après, t'as chercher. bien dit, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Hein. Ouais, mais BNU, c'est plus une communauté. C'est pas une communauté en fait, c'est. Non, pour moi, il n'y a pas de communauté. Le simple fait qu'il n'y ait pas de hashtag, ou qu'il n'y ait Parfait. personne sur le hashtag, tu vois, le truc Sosh, le hashtag Sosh, il est. Enfin, il bouge, quoi. Après, t'as qu'à regarder le nombre de followers aussi du compte, c'est énorme, ils ont plus de 50 000 followers, quoi, c'est un truc de ouf, Oui, bah oui, bien sûr. Oh, merde. hein. Wow. Ouch. Bon, je descends. Non, mais bien sûr, oui, Gaffe, il y a souvent c'est une un petit witch peu. par là. C'est vrai que c'est un petit peu problématique pour les autres, mais bon. En tout cas, pour ce qui est de Soch, moi, j'ai pas trop de soucis, c'est vrai, au niveau de la communauté, etc. Bien qu'au niveau des IDA, etc., qui sont proposés, je trouve que souvent les mêmes reviennent et peu de gens font des recherches, etc. C'est un peu. Ouais, Enfin, mais je veux ça dire, il y a aussi. c'est toujours pareil, hein. Quand tu vas sur un forum, il y a toujours quelqu'un qui va Ah, reposter la même chose, hein. bien sûr, mais je parle là plus au niveau des gens de la communauté. Il ferait mieux de faire attention et d'organiser un peu mieux ça parce que bon, déjà, il ne peut pas y avoir une modération
en fait non plus, hein, venant de l'équipe de Soch, ils ont autre chose à faire que ça. Oui, et en plus, Mais ils aiment, enfin, ça c'est leur cheval de bataille, ils aiment laisser les trucs qui ont été déjà postés, même si c'est des insultes. Alors c'est un peu à double tranchant. Faut que tu remontes par là-bas. Attends, je vais le chercher. Même par là. merci. Oui, c'est un peu leur délire, c'est laisser même les mauvais avis pour que. Voilà. C'est Et plutôt à d'un leur côté, honneur, hein. Après, du coup, mais par contre, voilà, ça bah pollue voilà, un c'est peu, quoi. exactement. C'est vrai que bon, à côté de ça, au moins ils sont transparents et qu'il n'y a pas de censure, etc. Il faut voir le bon côté de la chose, mais c'est vrai que tu peux vite fait avoir des dérives, quoi. Y avoir des dérives. Ah, c'est pour moi le Hunter. Ah, Disons bah, que les comme d'hab, quoi. spéciaux aujourd'hui, même pas quoi. Mais non, sinon globalement très franchement je suis plutôt satisfait de Soch pour le moment et c'est vrai que le premier client est très bon quand même dans l'ensemble. Pour ce que j'en ai vu mais ah, j'ai fait une fois appel à eux aussi sur Twitter où ils ont été très sympas. C'est vrai, j'ai oublié mais globalement j'ai eu affaire à eux que 3 fois au total. Donc bon c'était au début de mon forfait. Ouais. La mise en route, donc là maintenant j'ai aucun problème et tout se passe bien. Bon, il faudrait de la ville, putain. Ouais, J'en ai j'ai peut-être un peu commencé. plus, j'en ai peut-être un peu plus, pas un peu plus loin, parce que là je vais pas tarder à crever. Faites gaffe en descendant. On n'est pas les seuls à avoir pensé à Ah les 100%. bâtards, y en a pas. Qu'est-ce que tu aimerais qui apparaisse sur Soch? Oh, excuse-moi. Ah, j'ai plus de Excuse. vie, je te dis. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il apparaisse? Bah, le suivi, du coup, mais là, ce sera au niveau d'Orange 24 sur 24. Ouais. Mais sinon, globalement, c'est vrai que j'ai pas grand-chose. Alors, pour moi, le forfait est plutôt. Merde. Plutôt bon, plutôt. Ouais, Enfin, niveau pas prix, tu presque penses, parfait, t'en je penses crois. quoi au niveau prix? Au niveau prix, je pense que c'est très bon. On peut peut-être s'aligner sur du 16,99 ou 17,99 Ouais, pour ça l'intermédiaire quoi. et rajouter voilà, un intermédiaire et rajouter peut-être un forfait bien que l'option soit disponible mais, pour un giga, mais il me semble que c'est 5 euros. Ouais, mais ça c'est tout C'est pas récent en abusé. fait. Soch a lancé le 1 giga 5 euros. Et tout de suite après, et moins d'une semaine après, BNU balance un truc 5 giga. Donc en gros, ça fait que le giga est 2 fois plus cher sur Orange que Oui, voilà. sur Bouygues quoi. Bon, après, ça peut se comprendre vis-à-vis de techniquement. Mais c'est vrai qu'on est dans des positionnements tarifaires où les gens font la différence pour 5 euros. Ce qui est complètement con. Parce que si on les écoute, avant ils payaient 60 euros pour moins bien. Donc moi je pars du principe que payer 5 euros de plus pour avoir du service, moi, ça me dérange pas. Ah bien évidemment, moi en plus ça me dérange pas, mais malgré tout, enfin maintenant on est surtout dans une politique de prix et on attend une chose que les concurrents s'alignent. Hein. Et puis ben, même parce que bon, c'est 5 euros certes, mais 5 euros plus 5 euros plus 5 euros par mois finalement, ben, on se retrouve avec. Puis on se retrouve au bout d'un an avec une petite somme, même si c'est vraiment pas grand-chose, et du coup ça nous donne plus envie de partir chez le concurrent quoi. Ouais, Bien ouais, que pour ma part, c'est pas pour ça que j'irai chez Bienio, hein, avant de là. Mais. ouais. L'option multisim, c'est quelque chose qui te branche, toi? Pas du tout, Pas pour puisque l'instant, premièrement, peut-être? pas pour l'instant, parce que j'ai pas de tablette, enfin, mis à part temporairement, mais ma tablette, moi personnelle, c'est la Galaxy Note 8, et j'ai pas de. Elle est Wi-Fi, donc j'ai pas besoin de carte SIM pour le multisim, mais. Donc pour le moment, non. Si jamais t'en avais une, ça quelque chose qui te brancherait ou tu préfères juste faire Très du franchement, partage? ah, voilà, oui, je fais du partage de connexion, c'est beaucoup plus rapide et. Enfin, je trouve, ouais. Enfin, c'est Surtout là. pour la batterie quoi, c'est. Ah, bien sûr, pour la batterie, c'est un petit peu. Mais bon, j'ai pas de batterie portable aussi. Donc, bon, ça me va. Oh, fou la witch, la witch, la witch. On éteint les lumières et on la touche pas. Attends, je sais même plus comment on éteint les lumières. F. Ah, putain, je me suis fait. Ah oui, F, d'accord. Comment tu te sens? Merci. Tu te sens mieux? Mais je joue tellement souvent, tu vois que. Oh mais tu sais, Left 4 Dead, je l'ai saigné, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Mais je trouve que c'est des jeux qui vieillissent pas, les jeux Valve. Ah oui. Allez, je valide, c'est sûr. Ok, ben pour Soch, on a un peu fait le tour.
Est-ce que tu te sers, est-ce que c'est, tu te sers, est-ce que tu te servirais de l'option pour l'étranger, les SMS illimités, etc. Depuis l'étranger et maintenant vers l'étranger? Alors là actuellement non, mais oui quand je voyage, oui par exemple je dois partir normalement au Portugal mi-avril, techniquement je vais l'utiliser, donc on verra ce que ça donne à ce moment-là, mais sinon c'est vrai que c'est juste pour quelques voyages, mais sinon non je n'utiliserai pas, enfin, j'en vois pas l'utilité moi personnellement, mais c'est quand même bien et c'est sympa de que ce soit présent quoi. Ça fait partie des options exclusives à Sush. Sont d'ailleurs elles aussi récentes. Bon là c'est pour le plaisir que je bâche du zombie parce qu'on a fini la map. Il y en a beaucoup quand même. Oui. Ouais. Et on a fini. Ok. Est-ce que tu as vu un peu ce qui se faisait chez la concurrence, notamment chez les MVNO? Virgin, La Poste, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait envie, malgré que tu sois pas prêt pour l'instant à changer de partir de Soch pour aller vers quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait envie? Est-ce que, par exemple, plus de fair use et des choses comme ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Alors, mais pas du tout. Quand je vois les forfaits des concurrents, même, je rigole par moment parce que certains n'ont aucun scrupule à montrer des prix alors qu'ils proposent moins que chez les concurrents. Très franchement, il n'y a vraiment rien qui m'attire pour le moment. J'aimerais peut-être tester, mais alors là, c'est vraiment pour tester Joe Mobile. Ouais. Bien qu'on ne m'en dise pas que du bien, mais au niveau de Qu'est-ce qui t'attire chez eux en fait? La possibilité de moduler comme on le souhaite son forfait. Ouais. Ça, c'est vrai que bon, ça peut être sympa, mais apparemment, c'est pas aussi complet qu'on pourrait le croire, d'après ce que Non, j'ai voilà, compris. c'est ce que j'avais essayé de montrer, c'est-à-dire que à l'époque, en tout cas maintenant c'est plus le cas, tu pouvais pas prendre un forfait SMS et internet illimité H plus 3 Go, il fallait que tu prennes le pack 3 Go et voilà, t'avais pas le choix. Donc c'est pas si modulable que ça. Après, l'idée du à la carte, c'est bien, sauf que c'est du data bloqué, donc t'as pas d'illimité à proprement parler. Voilà, en termes de prix, ben, ils sont comme partout pareil. D'ailleurs, les gens voulaient de la concurrence, maintenant il n'y en a plus. C'est toujours les mêmes prix pour la même chose. Donc je comprends pas bien l'idée. Voilà, après il y a le parrainage et le côté pervers un peu de ça. Moi je trouve que c'est une bonne chose le parrainage, mais le côté pervers, c'est que du coup, ben, quand tu dis du bien de quelque chose, c'est pas honnête. C'est juste parce que derrière tu vas pouvoir gagner 5 euros sur ta cagnotte et compagnie, quoi. Ah, bien sûr. Merde, merde. Merde. Bah, bien sûr, oui, mais c'est vrai que. Mais oui, c'est vrai que c'est un petit peu dommage au niveau du panache, mais bon. Moi, je préfère qu'on. En fait, qu'on gratifie l'ancienneté, voilà, du client. J'avais vu une très bonne idée sur Soch, enfin, du moins, sur le. Voilà. Au niveau de l'ancienneté, avec des réductions, tout, et au bout de 3 ans ou 4 ans, je crois. Et après, ça s'arrêtait. C'est vrai qu'ils avaient dit que je crois qu'ils en prenaient compte, mais pour le moment, Ouais, c'est tout à fait. alors en fait, quand j'en prends compte, c'est-à-dire que l'idée n'est pas bête, mais ils peuvent rien faire pour ça. Après, tu sais que c'est très compliqué de fidéliser quelqu'un. Mercredi, c'est très compliqué de fidéliser quelqu'un qui n'est pas engagé. Donc, Oui, effectivement, bien sûr. l'idée du truc qui va plafonner, c'est quelque chose que j'ai proposé en live dans les meet-up. Oh la saloperie sur le toit. Et sur moi aussi. En même temps, je suis le black, je suis censé mourir le premier. Attends, il y a un smoker là-haut là. Mais oui, non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée de ce que j'avais vu, mais après, c'est vrai que oui, non, forcément, sur un forfait sans engagement, c'est C'est un petit peu compliqué, délicat. hein. Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Après, ils nous avaient proposé, donc, comme peut-être tu le sais, il y a des top contributeurs, c'est-à-dire que c'est des gens Ouais, je qui sais, ouais. contribuent énormément, qui ont un statut un peu spécial. Donc, il n'y a pas, voilà, on n'a pas des remises sur les forfaits et compagnie, hein, mais il y a deux, trois trucs comme ça, notamment les meet-up. Et donc, en meet-up, on a proposé plein de choses de ce genre-là pour justement valoriser l'ancienneté. Ah, c'est compliqué de parler en même temps que de jouer. Valoriser l'ancienneté, et du coup, ben, c'est quelque chose qui leur tient à cœur, mais c'est compliqué. Ils nous avaient proposé un parrainage où, en fait, personne ne gagnait rien à parrainer, donc ça sert à rien. Du coup, on a un peu râlé et ils ont abandonné le truc pour pouvoir le refaire mieux.
problème, c'est que tu as des composantes financières derrière. C'est-à-dire que si tu vas avoir un effet un petit peu comme chez Joe Mobile d'opportunisme, le mec il vient, il fait son parrainage, il paye pas et puis il se barre. Il y a déjà eu des parrainages sur Soch, j'en ai profité, c'était au début. Il y a un clown. J'ai entendu le clown. Merde. Non. Mais oui, non, forcément, moi je trouve que c'est une bonne idée, mais c'est vrai qu'après il peut y avoir des dérives aussi. C'est pour ça que l'ancienneté pour moi est la meilleure solution. Oui, après voilà, après, pour quelqu'un qui va parrainer. Moi j'avais pensé à un système de points, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas parrainer un gars, tu vas prendre tant de points. Tu vas rester un an, tu vas prendre tant de points. Tu vois, et au bout d'un certain point, t'as une espèce de cagnotte, t'en fais ce que tu veux. Soit une remise sur un mois, par exemple. Il a volé, lui. C'est dans la boîte. Soit une remise sur un mois, soit une option gratuite pendant un an, ou des trucs comme ça. Des trucs pas chers, c'est pas compliqué à mettre en place. Effectivement, c'est quelque chose de construit. Et voilà, en gros, c'est le système de bon vieux points, comme il y avait chez les autres opérateurs. Ah, et puis moi, je trouve aussi que ça permet de... Parce que malgré tout, on est sur un... Malgré tout, on est sur un forfait sans engagement. Et du coup, le client peut partir quand il souhaite. Et c'est vrai que là, ça permettrait peut-être de garder un petit peu plus les clients. Parce que malgré tout, Soch, ils sont là pour ça. Hein. Pour garder un maximum de clients. Donc, il y a un pompe un peu mieux là, si tu veux. Ok, merci. Hop. C'est de pompoto, ça. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'en pense. Mais sinon, globalement, c'est vrai que pour moi, Soch propose la meilleure offre. Ouais, peut-être parce... pas pour tout le monde, parce qu'effectivement, il en faut pour tout le monde, justement. T'as de quoi te heal? Parce que je serais toi, je me healerais. Hein. Même si on est en normal, en facile. Oui. Ah bah justement, je me fais attaquer. Merci. Non, c'est vrai que... Par exemple, moi, l'appel à l'étranger, j'en ai rien à carrer, tu vois. Si j'avais une offre avec genre 3 heures de data, et 6... enfin 3 heures d'appel, max SMS, MMS illimité, quoique même pas, tu vois. SMS, MMS imité, mais par contre un fort godet data, moi je signe. Hein. Mais le problème c'est que maintenant la norme c'est 20 euros appel illimité. Exactement, mais ceci dit, moi j'ai vraiment, enfin j'appelle pas mal, de plus en plus depuis que je suis chez Soch. Au départ c'est vrai que j'appelais, on va dire 2-3 heures par mois, et là maintenant je suis rendu à plus de 10 heures d'appel par mois, quoi. Donc, ouais, voilà, l'illimité est justifié dans ton cas. Minimum. Donc oui, c'est vrai que ça m'est utile. Après, au niveau des SMS, c'est pareil. Et la data, j'aimerais parfois un petit peu plus. Là, par exemple, il me reste une semaine, je crois, et il me reste plus que 250 MO. Bon, je vais faire avec. Hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... Mais voilà, c'est ça l'effet pervers. C'est-à-dire, quand t'as quelque chose qui marche, moi, je vois ça avec la 4G, je m'en sers beaucoup plus. Donc du coup, fair use, c'est plus light, quoi. Ah oui. Et donc du coup, l'option 5Go, moi, je l'ai, même si c'est pas une option transcendante, je l'ai accueilli avec plaisir, quoi. Ah, bien évidemment, oui. Mais non, c'est vrai que dans ton cas... Mais après, ceci dit, d'accord, tu peux regarder des vidéos, etc. Au niveau du fair use, enfin, une fois que tu as utilisé la réduction de débit, voilà. J'avais perdu le mot. C'est vrai que tu peux plus utiliser Pour ton usage quotidien, regarder des... Ça rame, quoi. Et voilà. Mais à côté de ça, bon, c'est pour voir les réseaux sociaux et lire tes mails. Bon, bah, finalement, c'est le truc le plus utile. Hein. Du coup, je passe à côté de ce que je faisais d'habitude. Et pour finir le mois, j'ai pas le choix, quoi. Je fais avec. Hein. Bon, après, il y a des cas différents. Je sais pas si tu te sers beaucoup du Wi-Fi, mais par exemple, moi, à mon taf, j'ai pas de Wi-Fi. Donc, du coup, je bouffe plus de data. Mais il y a des gens au taf, ils ont du Wi-Fi. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin, tu vois. Non, effectivement, moi aussi. En tout cas, j'utilise énormément Wi-Fi et malgré tout, on a beau dire ce qu'on veut, mais les hotspots Wi-Fi d'Orange, il y en a pas mal. Ouais, et ouais. Pour dépanner, ça tend à s'améliorer en fait depuis le début octobre. Ils ont activé d'office sur les lightbox. Oui, ça je sais d'ailleurs, j'ai désactivé sur la mienne. Mais oui, franchement, c'est une bonne chose. Ah putain, c'est une bonne chose et je suis en train de me faire attaquer. Et non, je trouve ça vraiment bien quand même dans l'ensemble. Les débits sont plutôt corrects. Donc, ouais, c'est un petit méga, quoi, mais bon. Oui, voilà. C'est mieux que débit réduit, quoi. Voilà, c'est pour dépanner, de toute façon. D'ailleurs, ça nous amène, est-ce que tu serais branché par l'offre Livebox plus Soch? Pas du tout. Pas du tout, pour quelle raison? Parce que, enfin, peut-être là, après, mais en tout cas, pour moi, la Livebox, c'est vrai qu'en plus, ouais. C'est vrai que je suis client Orange aussi au niveau d'Internet, donc c'est un petit peu délicat, mais... Pour le moment, je voyais pas trop l'intérêt parce qu'en fait j'avais les deux séparés avant.
Ouais, il faudra peut-être que je migre, mais bon. Genre là, tu payes quoi? T'es sur la Livebox Zen ou la Livebox Play? Zen. Zen, ok, donc t'as l'offre de base, l'équivalent de ce qui est proposé dans l'offre Soch. Exactement. Ok. Donc oui, donc tu payes quoi? 33,90 plus peut-être la lock. Exactement ça. Et 19,90. En gros, tu ferais une économie de 3-4 euros quoi. Non, ouais. 6 euros si tu la loues la box. Oui, je voulais la box. 6 euros, ouais. 6 euros par mois, tu pourrais faire comme économie. Après, est-ce que tu serais prêt? Et là, c'est vraiment. Est-ce que tu serais prêt à laisser l'internet entre les mains d'un opérateur low cost? L'internet, non. Parce le que portable, j'ai eu beaucoup c'est moins grave, non? Ouais, je pense. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, la Xbox a été changée encore la semaine dernière. Donc, parce que j'ai eu des soucis aussi. Ok. Donc non, pour le moment non, et puis bon, c'est vrai, il sait faire, j'avais eu des soucis de la Xbox Free, alors j'en parle même pas. Et du coup, non, même si c'est Orange et que tout se passe bien, je préfère, même pour 6 euros, rester encore sur un opérateur physique, en quelque sorte. Ouais, historique, quoi. Après, historique. Techniquement, l'Internet, moi, c'est différent, c'est-à-dire que l'Internet fixe, va avoir tendance à de toute façon être géré par internet ou par téléphone. Tandis que le mobile, voilà, quand t'as une panne, c'est pas grave vraiment fonctionnellement parce que t'as ton fixe quoi. Oui, voilà, exactement. Et puis bon, je sais pas, ouais, ça là, ok, merci, mais non, non, oui, pour le moment, c'est comme ça et j'en suis très content, du moins pour les services qui me sont offerts. Voilà. Ok, donc plutôt satisfait. Est-ce que si jamais un jour t'étais propulsé en top contributeur, c'est quelque chose que t'accepterais ou est-ce que tu veux garder une indépendance, entre guillemets, vis-à-vis de ton esprit critique, malgré que nous, personnellement, on est top contrib et on préfère être top contrib pour pouvoir aller. Bah oui, non, bah, c'est exactement dans le même cas que toi. C'est vrai que pour le moment, je m'investis pas non plus énormément dans la communauté Soch. Premièrement, parce que j'ai pas trop le temps. Puis c'est pas non plus quelque chose. Enfin, ça m'intéresse. Hein. Je vais souvent regarder quand même ce qui s'y passe. Mais de mon côté, y participer, ouais, ce serait sympa. Mais je sais pas si très franchement, je pourrais m'investir dedans. Quoi. Ouais, parce que pas forcément le temps, quoi. Pas le temps, et finalement, je me demande si c'est pas. Enfin, je veux dire, vous, par exemple, vous faites très bien. L'équipe et parce que vous avec un esprit toujours aussi critique et moi franchement ça me en gros vous portez en quelque sorte nos voix quoi. Ouais, après c'est compliqué parce que du coup ça reste quand même un mur avec deux trois petits trous quoi, mais globalement voilà. C'est un mur quoi. Donc oui ça m'intéresserait, après ça devrait être à la hauteur quoi, en quelque sorte, et c'est pas forcément. Après c'est bien de donner la parole aux clients. Mais c'est compliqué aussi de, je pense, de mettre en œuvre tout ce qu'on demande. Puis il y a des. Voilà. C'est une entreprise doit gagner de l'argent, hein. C'est pas des filantes. Bah, faut pas l'oublier. Hein. Oui. Et les armes ici. Une AK. Je vais peut-être la prendre. Minute, je me soigne. J'entends un jockey. Ah le bâtard, il m'attendait. Bon, on a fini là, du coup on va finir ben, cette manche là et puis on se quittera, donc voilà, pour pas que ça coupe vraiment dans la vidéo. Voilà, donc si t'as des choses à rajouter, des petites choses à nous proposer, si t'as un concours en ce moment en route, voilà, ça peut être intéressant, sachant que cette vidéo sera publiée rapidement, donc pour Halloween, donc il nous reste 2 jours. Là on est le 28 aujourd'hui. Est-ce que tu as des choses à nous proposer, des choses à nous parler, ton actu en ce moment? Pas grand-chose, justement, l'actu est plutôt plate. Actuellement, pour ceux qui connaîtraient, je participe à STL Akumatata, donc qui est un événement Minecraftien diffusé tous les soirs en direct. Ouais. Avec un événement qui rencontre un franc succès. Certains streamers on voit plus de 20 000 personnes le soir pour les regarder. La donc, witch, voilà. La witch. Ah, la witch! Ah oui, putain. Mais du coup, j'y passe beaucoup de temps. On l'a défoncé.
Du coup, j'y passe beaucoup de temps actuellement sur Minecraft pour participer à cet événement-là. À côté de ça, non, je continue mon blog normalement. Il y a des tests qui devraient arriver de quelques jeux que j'ai reçus de la part des éditeurs, mais globalement, sinon, pas grand-chose. Comment ça se Voilà. passe d'ailleurs, ce chose-là, peut-être les gens se posent la question, les jeux, après tu les gardes, tu les rends, c'est quoi, c'est des clés, c'est des boîtes? Alors, il y a divers choses. Donc, déjà, on travaille avec des agences de presse qui représentent des marques, Ouais, un peu comme des avec agences les de com. portables, quoi. C'est exactement la même chose. Et d'autres marques, après, donc, on va prendre l'exemple de Rue du Commerce, etc. Donc, des marques précises avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on a pour certains des contrats, pour d'autres juste des accords comme ça, qui nous envoient leur communiqué de presse. Et parfois, les jeux, si on les demande ou autres, en fait, ils nous invitent à des événements. Donc, pour ce qui est des jeux, ça dépend. Des fois, c'est des codes pour télécharger des jeux. Par exemple, c'est plus le cas sur la. Enfin, ça dépend vraiment, mais c'est plus le cas pour différentes marques selon les agences. Je sais que par exemple, GTA V était envoyé en code. Donc, bon, il fallait télécharger 18 gigas, quoi. Sinon, la plupart du temps, c'est des jeux en version presse. Donc, soit avec un bandeau interdit à la vente, Ouais. Soit avec une boîte spéciale et un CD rouge, donc pour les jeux PS3, ou alors des codes, tout simplement. Ça dépend vraiment, en fait. Là, par exemple, les jeux PS3, bien souvent, c'est des petites boîtes carrées avec un CD dedans. Parfois D'accord. pas de jaquette. Parfois pas de jaquette, et il y a juste marqué promotion seulement, je crois. Voilà. Et après, tu les gardes ou tu les renvoies? Pour les choses, je les garde. Pour les tests de produits, comme par exemple les téléphones, les tablettes Samsung, là, je renvoie. D'accord. Ouais, les produits un peu chers, quoi. Ça dépend. Ça dépend. Globalement, ça dépend. Ça dépend avec qui tu travailles, mais il y a des produits parfois chers. Par exemple, j'avais reçu un siège multimédia, donc avec haut-parleur, etc., d'incrusté dedans, que j'ai gardé. Donc, qui me sert de siège en quelque sorte home cinéma, tu vois, Ouais, je vois ce pour que regarder c'est. la télé, pour jouer. Et ça, c'était un peu cher et je l'ai gardé. Donc, Bon, après, ça fait partie de leur budget, quand même, bien évidemment. mais voilà, là, on est pile poil dans le truc, c'est-à-dire que tu essaies de garder quand même ton indépendance tout en n'étant pas contre les cadeaux. C'est notre cas aussi, hein. Nous, on a pas mal d'agences de com qui essayent de nous apprivoiser. Des fois, on est obligé de dire non, des fois, on dit oui. Hein, Moi aussi, je refuse énormément. Déjà, j'ai pas le temps de jouer à tous les jeux, et surtout que je pars du principe que je veux absolument terminer les jeux que je reçois, Ouais, qui n'est pas le cas de d'autres. Et du coup, bah forcément, des fois, je me fais remonter les bretelles. Oui, vous avez pas publié le test. Oui, mais pour le moment, je ne souhaite pas. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de publier. Et surtout, j'ai pas terminé le jeu, donc c'est plutôt moi qui l'ouvre en fait, quitte à me faire radier, puisque je me suis déjà fait radier il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a 4-5 mois, on va dire, d'une agence, puisque j'avais publié un article qui n'avait pas plu, on m'avait demandé de retirer quelques lignes. Et j'ai pas voulu. Voilà, donc je reste. On a beau dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est un petit peu délicat de dire ça, mais je reste en quelque sorte indépendant, Ouais, et puis c'est en ce qu'il essayant faut. Et de. puis après, peut-être que. Oh putain. Tes lecteurs, ils sont pas bêtes après, hein. Ils savent où tu vas, hein. Je prends l'exemple de Gameblog pour pas le citer. Ils ont vraiment mauvaise presse, les mecs, hein. Bien évidemment, d'ailleurs. Après, je veux pas te faire dire du mal sur les autres, hein. Moi, Ah je peux non, me mais permettre parce que. je partage ton idée sur Gameblog. Très franchement, je me suis déjà pris la tête de nombreuses fois avec d'autres blogueurs jeux vidéo sur Twitter, parce qu'on partage pas du tout la même vision au niveau de l'esprit du blogging. J'en avais d'ailleurs écrit un article sur Ouais, j'ai l'esprit du vu ça blogging, donc sur aussi. la scène. Moi, j'ai ma vision bien particulière, parce que durant 3 ans, j'ai fait un premier blog qui s'appelait Color Game, où j'étais avec un ami, que je connaissais IRL, et donc un très bon ami avec qui on a blogué pendant pas mal de temps. Et oui, non, enfin, ça s'est bien passé. Le problème, c'est qu'on s'est vite laissé marcher dessus. Et moi, je dis non, plus jamais. Et du coup, on a décidé d'arrêter. Lui a arrêté complètement. Et moi, de mon côté, je me suis lancé dans quelque chose de beaucoup plus indépendant et qui me plaisait beaucoup plus. Voilà. D'accord, ok. Ok, et ben on va s'arrêter là puisque ça sert à rien. La partie d'après, elle est à l'intérieur, elle fait peur. Donc je te remercie. Donc c'était Gros Nemo, donc de grosnemo.com, c'est ça? À fait. Voilà. Donc blogueur jeux vidéo et maintenant donc fait partie de la blogosphère jeux vidéo. Donc c'est ce que je viens de dire déjà. Mais surtout, c'est un Socheur qui nous a donné son avis en ce 28 octobre 2013, c'est ça? Pour l'occasion d'Halloween, on était sur Left 4 Dead 2, un jeu Valve vendu une poignée de pain sur Steam. Et je le remercie. Merci à toi donc d'être venu pour cette petite interview, pas comme les autres. Ben merci aussi à toi de m'avoir invité. À bientôt à tous sur Socheurs.com et donc sur grenemo.com pour notre petit Roméo. Allez, à très bientôt, merci.